السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بأعزائي الطلبة والطالبات، أتمنى أن تكونوا في أحسن الأحوال إن شاء الله. الحصة مخصصة للمستوى الثانية بكالوريا، اخترت لكم هذا الموضوع الخاص بدراسة الدوال دالة لوغاريتمية، إذا فموضوع شامل ومهم في نفس الوقت. إذا فوالا، الموضوع هو الآن أمامكم باللغة الفرنسية، وسنتعامل معه كذلك باللغتين حتى يستفيد الجميع. إذا لدينا واحد الدالة في، on peut l'appeler fonction في. Donc la première des choses, il est défini sur l'intervalle 0 plus l'infini, montre que c'est g est strictement croissante, يعني أنها تزايدية قطعا. بين أن المعادلة g de x égal à 0 تقبل حلا وحيدا ألفا، بحيث ألفا محصور بين الإكسبونسيال دو موان 2 والإكسبونسيال دو موان زا. استنتج إشارة g في المجال 0 بلس الإنفيني، فيريفي أو تحقق بأن x ln دو x مون x فهي دالة أصلية للدالة ln دو x. حدد الجي أي الدالة الأصلية التي تنعدم في أو، ذات الأفصول، نقطة ذات الأفصول أو. إذا غادي نجاوب لكم على هذا التمرين هذا أولا، ثم ننتقل إلى لا بارتي بي ولا بارتي سي. إذا فوالا، بالنسبة لهذا لا بارتي أ، دونك جو في ميتغ لا فونكسيون كنا دوفون نو بو كو سا سوا كلير. دونك سا سي لا بارتي أ، دونك أون فو دون جي دو إكس إيكال أ إكس بلوس أن بلوس إل إن دو إكس. ألوغ أون فوا إتيدي la croissance de la montagne de la suite. Il faut donc chercher g prime de x. Donc il faut mentionner que g est une fonction dérivable étant donné qu'elle est composée de fonctions dérivables. C'est très facile. Donc g prime de x, ça sera la dérivée de x plus 1, c'est 1 plus 1 sur x. Et comme x appartient à 0 plus, donc c'est supérieur à 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que g est une fonction, elle est strictement croissante. Alors je vais écrire en abrégé pour gagner un peu de temps. Alors voilà pour la question 2. Donc g elle est continue. Donc la deuxième question c'était, on va utiliser le théorème des valeurs intermédiaires. Alors bien sûr il faut mentionner que la fonction g elle est continue sur l'intervalle 0 plus l'infini, en particulier sur l'intervalle qu'on vous donne, c'est-à-dire sur l'intervalle l'exponentielle de moins 2, l'exponentielle de moins 1, sans oublier qu'il est une fonction qui est croissante. Alors, il suffit de vérifier que g de l'exponentielle de moins 2 fois l'exponentielle de moins 1 fois g est inférieur à 0. Donc, il y a une remarque qu'il faut mentionner, c'est que si lorsque je cherche l'image de l'intervalle 0 plus l'infini, donc c'est très facile de chercher la limite en 0 plus et en plus l'infini. Et comme 0 il appartient à cette image là, c'est-à-dire on peut dire donc qu'il existe un certain alpha appartenant à 0 plus l'infini, tel que g de alpha égale à 0. Et pour la suite de l'exercice ou bien de la question, on peut donc à partir de là mentionner qu'on a d'autre part que g de l'exponentielle de moins 2 fois l'exponentielle de moins 1 est inférieur à 0 en utilisant notre calculatrice. Cela prouve donc qu'il existe un certain alpha appartenant à l'intervalle mentionné tel que g de alpha égale à 0. Donc voilà, c'est une question qui se pose généralement le jour de l'examen. Donc essayez de la bien pratiquer. Donc pour la question 3, on va étudier le signe de la fonction. Donc si je cherche g de 0 alpha, en tenant compte de la fonction, elle est bien croissante, donc c'est moins l'infini 0 et g de alpha plus l'infini égale à 0 plus l'infini. Et donc, هذا يعني بأنه في هذه الحالة g de x elle va être سالبة. Et donc voilà, من خلال أن l'image appartient à ça, وهنا va être g de x فهي غتكون موجبه. اذا كيل كو سوا اكس ابارتونون، دونك بور اكس ابارتونون ا 0 الفا فوزوري جي دو اكس نيجاتيف، اي بور اكس ابارتونون الفا بلس لانفين فوزافي جي دو اكس الي بوزيتيف. اون فا اتيزي بيان سور سولا دون لي كيستيون كي سويف اللي هما لا بارتي باردون. Il y a d'autres questions qu'on n'a pas encore terminées. Donc, on a étudié le signe. Donc, on va vérifier que x ln de x moins x est une primitive. Bien sûr, la fonction en question est une fonction continue. Donc, il suffit tout simplement de chercher la dérivée de cette fonction-là. Donc, la dérivée de x ln de x moins 1. Donc, c'est très facile. Donc, ce sera x prime fois ln de x plus 1 moins 1, donc c'est ln de x. Donc ce qui prouve que la fonction g est une primitive
lorsque je dis j, je notais que ça, c'est la fonction g est le primitif de la fonction que je peux noter soit de la fonction qui a tout x fait correspondre ln de x. Alors, pour chercher g de x, la primitive que je dois poser, il y a x ln de x moins 1 plus une constante c. On vous dit voilà, chercher cette primitive-là qui s'annule au point E, c'est-à-dire ça sera donc E ln de E moins 1. Donc c'est E plus la constante, bien sûr. Donc ça va donner E moins ln de E, c'est 1. Donc il y a E moins X, ça va être moins X, pardon. Donc ça sera donc moins E. E moins E, donc c'est quoi? C'est 0. Donc je vais noter ici. Donc c'est E moins E plus C égale à 0. Ça veut dire tout simplement que c égale à 0. Et par conséquent, la fonction primitive qu'on cherche n'est autre que x ln de x moins x. Donc ici, j'ai oublié, donc j'ai mis 1, donc c'est moins x. Donc voilà la fonction qu'on cherche. Donc je passe maintenant à la partie B. La partie B, ça concerne une autre fonction mère. Donc premièrement, on montre que la fonction, elle est continue. Alors, voilà la première question. Étudier la dérivabilité. Montrer que la fonction f de x sur x peut s'écrire de sa forme. Étudier la dérivabilité à gauche pour interpréter le graphiquement le résultat. دائما يمكن لكم توقفوا الفيديو وتقرا الاسئله بتسمعوا وتحاول تجاوب عليها ثم تقارن اجوبتك مع ديالي. اذا voilà les astuces. La première de chose, montrer que la fonction est continue. Donc, il suffit de mettre, chercher la limite de f de x lorsqu'il tend vers 0 plus. Et en 0 moins. Donc ici pour 0 plus, je dois prendre la fonction concernée, liée x ln de x sur x plus 1, sachant que la fonction, la limite de x ln de x lorsqu'il tend vers 0, c'est 0. Donc 0 sur 1, c'est 0. Donc la limite de f de x en 0 moins, ça sera la limite en 0 moins de la fonction exponentielle de x moins 4 fois racine de 1 moins l'exponentielle de x. Donc c'est très facile, c'est 0. Donc vous remarquez que la limite à droite est égale à la limite à gauche qui n'est autre que f de 0, donc est égale à 0, ce qui prouve que la fonction elle est bien continue en 0. إذن نحاول نضرب شي شويه لانه بعض الاحيان بتكون الاسئله فيها صعوبه يمكن ان توقفوا ولكن بالنسبه لهذه الاسئله فهما اسئله سهله. Donc, le sujet suivant, étudier la dérivabilité. Étudier la dérivabilité à droite et à gauche. Donc, on va prendre premièrement pour x supérieur à 0. On aura f de x moins f de 0 sur x moins 0 qui n'est autre que x ln de x sur x fois x plus 1. C'est-à-dire, c'est ln de x sur x plus 1. Alors, si vous cherchez la limite de f de x moins f de 0 sur x moins 0 lorsqu'il tend vers 0, donc c'est la limite en 0 plus, de 1 sur x plus 1 fois ln de x. Alors ln de 0 plus, c'est moins l'infini, ça c'est un nombre positif, donc ça sera donc moins l'infini, ce qui prouve que la fonction en question non dérivable, donc il y a غير قابلة للاشتقاق à droite de 0. Et par conséquent, المنحنى فهو يقبل نصف مماس نصف مماس موجه نحو الأسفل. Voilà بالنسبة لهذا السؤال. غادي نمشيو دابا بالنسبة إلى كانت x أصغر من صفر في هذه الحالة f دو x moins f de 0 sur x moins 0, on a l'exponentielle de x moins 4 fois 1 moins l'exponentielle de x sur x. Donc, ça sera donc égal à quoi? Est égal à l'exponentielle de x moins 4 fois 1 moins l'exponentielle de x sur x. Alors, je dois multiplier par le conjugué. Donc, si je multiplie ici par l'exponentielle de 1 moins l'exponentielle de x de part et d'autre, donc j'aurai ici quoi? Donc ça sera exponentielle de x moins 4 fois 1 moins exponentielle de x sur x, l'exponentielle de 1, racine carrée de 1 moins exponentielle de x. Alors je continue ici. Donc si je mets exponentielle de x moins 1, je vais mettre exponentielle de x moins 1. Donc je dois mettre 1 moins ici.
fois l'exponentielle de x moins 4 sur x fois racine de 1 moins l'exponentielle de x. Donc, vous remarquez, ça devient, si je fais entrer le moins ici, entre 4 moins exponentielle de x, ou l'exponentielle de x moins 1 que je divise par x fois 1 sur racine de 1 moins l'exponentielle de x. Alors, bien sûr, c'est bien montré. Alors, pour la question C, il suffit tout simplement de chercher la limite de f de x moins sur x en 0 moins, c'est-à-dire il faut étudier la dérivabilité à gauche de 0. Donc, ça sera donc la limite en 0 moins de ce que nous avons déjà montré, c'est-à-dire 4 moins l'exponentielle de x fois l'exponentielle de x moins 1 sur x fois 1 sur racine de 1 moins l'exponentielle de x. Chose que vous connaissez bien sûr pour cette limite-là, c'est 1. Donc ça vous donne 3 et ça vous donne plus l'infini. Donc ça vous donne tout simplement plus l'infini. Conclusion, f non dérivable à gauche. Ici on a trouvé à gauche, pardon. À gauche de 0 et par conséquent la courbe admet une demi-tangente orientée vers, toujours, ce sera vers le bas. Alors voilà, on a donc terminé avec cette question. Donc on va passer maintenant à la question suivante qui concerne la limite en plus l'infini. La limite de f de x en plus l'infini, puis on passe aux questions, aux autres questions. Donc la limite de f de x en plus l'infini, alors la limite de f de x en plus l'infini n'est autre que la limite de la fonction concernée, c'est-à-dire c'est la limite en plus l'infini de x, que je peux la mettre de cette manière-là pour faciliter la tâche. Donc voilà x ln de x sur x plus 1. Vous savez que ça c'est 1 et ça c'est plus l'infini, donc c'est plus l'infini. Alors si je cherche maintenant la limite de f de x sur x, ça sera donc la limite en plus l'infini de ln, donc lorsque je divise par x, donc ça donne ln de x sur x plus 1. Donc la limite de f de x sur x. La limite de f de x sur x. Donc on va bien. Donc qu'est-ce qu'on va faire pour trouver cette limite? Donc ici plus l'infini et ça c'est plus l'infini. Donc si je mets donc la limite de f de x sur x, c'est bien ça, si je ne me trompe pas. Donc la limite de f de x sur x. Donc c'est, car la fonction concernée c'est x ln de x sur x plus 1. Donc si je divise par x, ça reste toujours tout simplement ln de x sur x. C'est bien ça. Donc comment je vais faire pour trouver ln 1 sur x plus 1, c'est 0, ça c'est plus l'infini, donc c'est une forme indéterminée. Donc je peux l'écrire autrement, ln de x sur x plus 1 n'est autre que ln de x, je peux la mettre fois x sur x plus 1. Alors, comme la limite de ça, c'est 0, donc ça, c'est 1, donc ça donne 0. Donc, ça donne 0. Donc, voilà, limite, ça veut dire quoi? Tout simplement, ça veut dire qu'on a une branche parabolique de direction l'axe des abscisses. Alors, voilà pour cette question. Je passe maintenant à la question 4. Donc, la question 4 montrait que la limite de f de x en moins l'infini, ça sera donc la limite en moins l'infini de l'exponentielle de x moins 4 fois racine de 1 moins l'exponentielle de x. Donc, je sais bien sûr que lorsque x tend vers moins l'infini, ça c'est 0. Donc, c'est 0. Donc, il reste tout simplement moins 4 fois 1. Donc, c'est moins 4. Donc, y égale à moins 4. Donc, c'est une asymptote horizontale. Voilà. Donc, la question 5, on va
étudier la dérivée, on va montrer la dérivée. Alors, pour x supérieur à 0, toujours, il faut mentionner que la fonction en question est une fonction dérivable. Alors, f prime de x, ça sera la dérivée de x ln de x sur x plus 1, qui n'est autre que x ln de x, la dérivée de là, fois x plus 1, moins x ln de x fois la dérivée de x plus 1, est 1, sur x plus 1 au carré. Donc, f prime de x, ça sera donc ln de x plus 1 fois x plus 1 moins x ln de x sur x plus 1 au carré. Donc, vous allez développer votre calcul et vous allez bien sûr trouver c'est x plus 1 plus ln de x sur x plus 1 au carré. Autrement dit, f prime de x, c'était bien égal à g de x sur x plus 1 au carré. Alors, pour x inférieur à 0, on aura donc f' de x, c'est la dérivée de l'exponentielle de x moins 4, racine de 1 moins l'exponentielle de x, voilà. Donc, ça sera égal, la dérivée de ça, c'est l'exponentielle de x, racine de 1 moins l'exponentielle de x, plus l'exponentielle de x moins 4, fois moins l'exponentielle de x sur 2 racine de 1 moins l'exponentielle de x. Donc, ça va me donner f' de x égale à 2 l'exponentielle de x à moins l'exponentielle de x, moins exponentielle de x fois l'exponentielle de x moins 4, après avoir développé au même dénominateur. Donc, voilà. Ça va vous donner finalement, en faisant développer votre calcul, donc j'ai trouvé 6 exponentielle de x moins 3 exponentielle de 2x sur 2. Racine de 1 moins l'exponentielle de x. Vous pouvez mettre 3 en facteur. Donc 2 moins l'exponentielle de x fois l'exponentielle de x sur 2 racine de 1 moins exponentielle de x. Donc voilà, c'est très simple de le montrer. Alors maintenant, on va étudier la monotonie. Donc c'est pour x supérieur à 0. Donc qui dit f' de x 0 positif, ça veut dire qu'il suffit que montrer que g de x doit être positif. Et d'après la question grand 1, on a dit que pour x g de x positif, il faut que x appartient à l'intervalle alpha plus l'infini. Alors dans ce cas-là, on aura f sera strictement croissante sur l'intervalle 0 alpha plus l'infini. Donc voilà. Alors, pour que f' soit négatif, ça veut dire que g de x doit être négatif, c'est-à-dire que x appartient à l'intervalle 0 alpha. Et dans ce cas, on aura f décroissante. Alors maintenant, pour x inférieur à 0, dans l'autre cas, on a dit qui dit x inférieur à 0, ça veut dire que l'exponentielle de x est inférieure à 1, ça veut dire que l'exponentielle de x moins 1 est inférieur à 0, ou bien 1 moins l'exponentielle de x, il est positif. Alors, si j'ajoute 1, j'aurai donc 2 moins l'exponentielle de x, est supérieur à 1, qui est supérieur à 0, ce qui prouve que f' de x, dans ce cas, il est toujours positif. Alors, ça veut dire que f, il est strictement croissante sur l'intervalle moins l'infini 0. Alors, notre tableau de variation aura la forme suivante. Donc, voilà x, f' de x, f de x, donc moins l'infini plus l'infini. Donc on a dit que la fonction n'était pas dérivable au point 0. Donc il existe un certain alpha pour lequel f de alpha égale à 0. Donc on a trouvé ici plus, moins, plus. Donc il suffit de compléter votre tableau de variation. Donc voilà, ici c'est f de alpha. Ici on a trouvé moins 4 et f de 0 est égal à 0. Alors maintenant, on va passer à la question qui est donner l'équation de la tangente au point 1. Donc l'équation de la tangente au point 1, ça sera y est égal à f' de 1 fois x moins 1 plus f de 1. Alors f de 1 est égal à 0, ce qui va donner tout simplement y égale, il suffit de calculer f' de 1, donc j'ai trouvé égal à 1 demi fois x moins 1. Donc voilà l'équation de la tangente au point 1. Alors voilà pour cette question. Je passe à la question 6. Alors, on va trouver f seconde. Donc f seconde, il suffit de calculer la dérivée de la dérivée. Alors n'oubliez pas, si on travaille dans l'intervalle 0 plus l'infini, donc c'est la dérivée de g de x sur x plus 1 au carré.
Alors, en utilisant la relation de la dérivation, donc c'est g prime de x fois x plus 1 au carré moins g de x fois la dérivée de x plus 1 au carré, le tout sur x plus 1 au carré. Il faut bien apprendre ces choses-là. C'est la dérivation, donc c'est-à-dire f seconde de x, donc la dérivée de g prime, donc j'ai déjà trouvé c'est x plus 1 sur x fois x plus 1 au carré, moins 2 fois x plus 1. G de x, c'est bien ça, fois x plus 1. Le tout sur x plus 1. Alors, pour se débarrasser de ce x plus 1, de part et d'autre, donc il me reste tout simplement 1 sur x fois x plus 1 au carré, moins 2 fois x plus 1 plus ln de x, le tout sur x plus 1 à la puissance 3. Donc, je vais mettre au même dénominateur et je vais faire descendre le x. Donc, ça va me donner. Ici, c'est x plus 1 au carré, moins 2x fois x plus 1, moins 2x ln de x, sur x plus 1 à la puissance 3, et je fais descendre x. Donc, vous pouvez ici remarquer que je peux mettre x plus 1 en facteur. Donc, il me reste un moins x, moins 2x ln de x, sur x fois x plus 1, à la puissance 3, soit disant 1 moins x au carré, moins 2x ln de x sur x fois x plus 1 à la puissance 3. Alors la question B, on vous demande de montrer que 1 moins x carré et moins 2x ln de x ont le même signe. Donc pour ce faire, on va utiliser un tableau qui va nous permettre de mettre le tout. Donc Adna, on étudie dans l'intervalle 0 plus l'infini, c'est bien ça? Dans l'intervalle 0 ouvert. Donc, ici, on a 1 moins x au carré. Ici, vous avez moins 2x ln de x. Et vous avez bien sûr ici f seconde de x. Je vais le mettre le tout. Alors, ici, on travaille dans le domaine. Donc, on a trouvé et s'annule au point 1. Donc, ici, bien sûr, vous avez 1 moins x carré. C'est une équation de second degré qui s'annule au point moins 1 et 1. Et là, le signe de A à l'extérieur des racines et la racine de moins 1 à l'intérieur. Donc pour x, bien sûr, x il est positif. Ln de x, vous savez que ln de x il est positif dans l'intervalle 1 plus l'infini, il est négatif dans 0, 1. Mais pour ce moins-là, donc ça veut dire ici que vous aurez ici plus, moins. Donc vous remarquez que 1 moins x carré moins 2x est toujours, ils ont le même signe. Que ça soit dans 0, 1, ou bien que ça soit dans. Donc on va écrire ça. Donc quel que soit x appartenant à 0, 1, vous remarquez que 1 moins x au carré, on a trouvé, il est positif. Et moins 2x ln de x, il est positif. Et quel que soit x appartenant à 1 plus l'infini, on remarque toujours que 1 moins x carré est négatif. Et moins 2x ln de x, il est négatif. Ça veut dire que les 1 moins x au carré et moins 2x ln de x ont le même sens. Ont le même, pardon, ont le même signe, que ça soit dans chacune des intervalles. Alors pourquoi j'ai fait cela et pour là? Idem, f seconde, f seconde positif. Idem, f seconde positif, f négatif. Idem, la concavité. Donc la concavité, on va dire tout simplement, quel que soit x appartenant à l'intervalle 0, 1, vous remarquez que f seconde de x, il est positif. Et quel que soit x appartenant à l'intervalle 1 plus l'infini, vous avez f de seconde de x, il est négatif. Alors, ça veut dire tout simplement ici, ça va donner une courbe vers le haut et ça vers le bas. Donc, on va maintenant passer à la question, on a étudié la concavité. Donc, question 7, on va montrer que f de alpha est égal à moins 1. On a g de alpha égal à 0. Ça veut dire que alpha plus 1 plus ln de alpha égale à 0. C'est-à-dire que ln de alpha est égal à quoi? Est égal à moins alpha moins 1. Donc, n'oubliez pas que alpha est supérieur à 0. Et vous avez f de alpha, c'est alpha ln de alpha sur alpha plus 1. Ce qui nous intéresse, on va remplacer
ln de alpha par son expression. Donc c'est alpha sur alpha plus 1 fois ln de alpha, il y a alpha plus 1 avec un signe moins. Donc en simplifiant, donc vous remarquez que f de alpha, c'est bien égal à moins alpha. Donc voilà pour la courbe, je vais le montrer maintenant. Donc pour tracer une courbe, il faut tout simplement mettre votre tableau de variation devant vous. Donc vous remarquez bien sûr que la fonction elle est bien croissante sur moins l'infini 0, décroissance entre 0 et alpha et croissance entre alpha et plus l'infini. Sans oublier bien sûr qu'en alpha, il y a une demi-tangente horizontale bien sûr. Vous remarquez, il y a voilà une demi-tangente horizontale au point alpha. La fonction n'était pas dérivable ni à droite ni à gauche. Elle est continue en 0. Et vous avez la limite de f de x sur x est égale à 0. Ce qui prouve bien sûr que vous avez une branche parabolique de direction Ox. Alors voilà, donc pour cette fonction, il y a une tangente, une asymptote horizontale sans l'oublier bien sûr. Cette asymptote horizontale d'équation y égale à moins 4. Alors voilà votre grosso modo votre courbe. Donc vous pouvez choisir d'autres points si vous voulez tracer soigneusement votre courbe. Donc pour la fonction réciproque qui, on a dit, pris la restriction de f en alpha plus l'infini. Donc voilà votre fonction réciproque qui est pour la tracer. Il suffit de tracer votre droite y égale à x. Et à partir de certains points que vous choisissez vous-même, vous allez faire la symétrie de ces points par rapport à l'axe delta en utilisant bien sûr votre équerre et votre compas pour tracer bien ces différents points-là. Et vous allez bien sûr les relier les unes après l'autre et pour retrouver en fin de compte votre fonction réciproque. Donc vous savez bien sûr que f de 0, f de 1 égale à 0, ça veut dire que f moins de 0 égale 1. Ici vous avez la tangente horizontale, ça devient une tangente verticale. Donc voilà ce qu'il faut faire, très attention. Donc voilà, j'ai tracé donc soigneusement cette courbe, essayer de la refaire. Alors je passe maintenant à la question qui suit, montrer que h admet une fonction réciproque. Alors pour cela, donc vous savez, vous devez se baser sur le fait que la fonction elle est bien continue. Donc la fonction elle est bien continue. Donc on va dire voilà h. Donc h de x c'est quoi? C'est la fonction f de x qui est égale à x ln de x sur x plus 1. Donc on a montré que la fonction elle est bien continue. Donc voilà, h elle est continue sur l'intervalle alpha plus l'infini. On a dit elle est croissante. Ça veut dire tout simplement que la fonction h moins 1 admet une fonction réciproque. Donc on va écrire que h admet une fonction réciproque. Notez h moins 1 qui sera défini sur l'intervalle j, donc défini sur l'intervalle j qui n'est autre que h de i, c'est-à-dire h de alpha plus l'infini, qu'on peut trouver à partir de notre tableau de variation, c'est f ou bien h de alpha, comme vous voulez, f de alpha plus l'infini. Alors, notre tableau de variation pour la fonction réciproque, donc il est défini de moins alpha vers plus l'infini. Donc, h moins 1 de x gardera toujours la même monotonie que celle de la fonction h. Donc, voilà alpha plus l'infini. Il me reste maintenant la dernière question, justifier que h moins 1 est dérivable en 0. Donc il faut remarquer que h de 1 égale à 0, ça veut dire que h moins 1 de 0 est égal à 1. Alors qu'est-ce qu'il faut? Il suffit tout simplement de montrer que la fonction h est dérivable en 1. Autrement dit, il faut chercher la limite
de h de x moins h de 1 sur x moins 1. Or, c'est quoi? C'est x ln de x sur x plus 1 moins h de 1 est égal à 0 sur x moins 1. Donc, ça restera tout simplement x ln de x sur x plus 1 fois x moins 1. Là, je peux la mettre de la manière suivante. Donc, c'est x fois sur x plus 1. Il me reste ln de x sur x moins 1. Et par conséquent, limite de h de x moins h de 1 sur x moins 1, lorsqu'il tend vers 1, ça sera donc la limite, lorsqu'il tend vers 1, de x sur x plus 1, fois la limite, bien sûr, de ln de x sur x moins 1. Alors, vous savez ça, c'est une limite standard que vous connaissez tous dans votre cours. C'est 1, et ça, c'est 1, donc ça va me donner 1 plus 1, c'est 2, donc c'est 1 demi. Ici, c'est 1 demi, 1 plus 1, donc 1 demi, donc c'est 1 demi. Et comme 1 demi appartient à R, ça veut dire que H est dérivable au point 1, et qui dit H est dérivable au point 1, ça veut dire que H et H moins 1 est dérivable en H de 1, c'est-à-dire dérivable en 0. Donc, on a bien répondu à cette question. Donc, la dernière question, c'était de déterminer h moins 1 prime de 0. Ça sera donc 1 sur h prime de h moins 1 de 0, soit 1 sur h prime de 1, c'est-à-dire 1 sur 1 demi. Donc, h moins 1 prime de 0, c'est bien 1 sur 1 demi, donc c'est 2. Donc, voilà la dernière question. دونك فالتمرين كما قلت تمرين جد مهم ويحتاج الى تركيز قوي طبيعه الحال حاولوا ما امكن تعودوه وتقاسموه او مع تشاركوه مع الاصدقاء ديالكم حتى تعم الفائده اذا تنظر بان هذا التمرين هذا حاول تنزل فيه شي شويه لانه تنظر بانكم وصلتوا لواحد المرحله اللي هي خاصكم تكون الامور عاد منها مزيان اذا فاللي تحتاج بغى شي تمارين اكثر صعوبه وباش يتمرن على هذه الامور هذه يمكن يدخل عندي القناه الباك اون بلس يمشي لا بلاي ليست وغادي تجد هناك مجموعه من التمارين سواء فيها المتعلقه بماده الرياضيات او ماده الفيزياء والكيمياء إذن ما تنسوناش من التعليقات ديالكم من اللايكات ديالكم لأن هذا الشيء يحفزنا بطبيعة الحال باش نخدم معكم أكثر إذن أشكركم على انتباهكم أتمنى لكم حظا سعيدا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته